Seigneur Jésus, il m'a encore volé. Donc c'est à ça que je vais toujours assister dans cette maison. C'est à ça que je vais... Chérie, voir son ami là. Mais le numéro ici. Vous les jeunes de quartier là, vous avez quel problème même? Hein? Ceux de voix maintenant là, tu ressens même... Et les gens qui sont déjà deux femmes, trois femmes même. C'est quoi? Tu as quel problème? Attends, quand tu me vois comme ça, je ressens bien les jeunes. Je sais que tu es vieux. Tu ressens bien les jeunes? Peut-être maintenant tu as déjà au moins deux femmes, trois femmes, cinq femmes, on ne sait pas. Mais si vous voyez, nous les femmes là, c'est pour draguer. Quand il t'a appelé là, tu crois qu'il veut te draguer? Tu veux pas me donner, tu veux me dire quoi? Moi, te draguer. C'est pour chercher une domestique à ma femme à la maison. Quoi? Dégage d'ici. Domestique. C'est pour chercher une domestique à ma femme à la maison. Tu crois que moi je peux travailler une femme comme toi? Bonsoir, tonton. Madame Miko. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Excusez-moi d'être venue ici de cette manière, mais là, je suis très en colère. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Rico à la maison. Donc, je me suis dit que peut-être il est en train de traîner chez vous. Parce que vous êtes toujours ensemble, vous deux, comme le rien de la sauce. Mais, Madame Rico, Rico n'est pas, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Mais il se passe quoi? Ce qui se passe à la maison n'est pas du tout amusant. Ça fait plus de deux jours que Rico a quitté la maison sans donner l'argent de popote aux enfants. Quoi? Il a fait deux jours sans dormir à la maison, sans donner l'argent de popote. Mais les enfants vont manger quoi? Je ne sais même pas. Est-ce que le gars là, il réfléchit bien? J'ai commencé un commerce récemment pour que nous puissions avoir de quoi manger à la maison. Il a encore pris 5 000 dedans, sans rien me dire. Ah, donc, mais Rico a commencé pas à voler maintenant. Je vous dis. Il a commencé pas à voler. Je savais, moi, mais je sentais ça. Si moi, je savais qu'il était comme ça, moi, je n'allais pas être son ami pour que les gens nous mélangent. C'est insupportable. Madame, calmez-vous. Ce qu'on va faire là, vous allez rentrer à la maison. Dès qu'il va venir ici, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Madame, rentrez à la maison. Ta femme a convoqué une réunion. Quoi? Elle a convoqué une réunion et moi, je ne suis au courant de rien. Oui, et les parents sont là. Et elle a même dit que tu ne donnes plus l'argent de papa maintenant, il y a 2 mois. Que tu ne soucies même plus de ce qu'elle va manger. Elle a dit, moi, il ne donne pas l'argent de papa. Oui. Parle doucement, parle doucement. Parlez doucement comment? Ils sont déjà dans la maison familiale. C'est madame de mon ami là qui est là. Ils ont dit, elle a dit qu'elle va me quitter. Oui, oui. Et pourquoi elle va convoquer une réunion là? Et elle menace de te quitter. Parle doucement. Ah bon? La femme de mon ami est là. Donc vous êtes les mêmes choses. Je comprends maintenant pourquoi mon mari est si à l'aise avec toi. Non. Donc. En fait, pour moi là, moi je ne vole pas. Lui, pour lui, il vole. Moi, je ne donne pas l'argent de popote. Vous êtes les mêmes choses. Oui. Avec vous, les hommes là, vous êtes les mêmes choses. Madame, ouais, moi je pensais pourtant que vous étiez différent de lui. Donc les parents sont là. Les parents sont là, ils t'attendent déjà. Non, moi je suis pas comme lui, quoi. Moi je ne vole pas. Moi je ne vole pas. Depuis 2 mois, après vous n'avez pas donné papa à la maison. Ça c'est dit garder une femme ça. Donc les parents t'attendent. Je t'attends, c'est pour ça que je suis là. Et moi. Madame, rentrez à la maison.